65 personnes au niveau moral 65 personnes commencé na matériel yi ñëw na ñu ngay liggéey pour si gàttal li ma la mën a wax daal projet bi ñun
ñun ñoo ci duggal suñu bopp, ñun ñoo waxtaan, ñun ñoo jubo, ñun ñoo joxe suuf, ken wañul suñu loxo, ken jaayul suñu suuf, ken nangul suñu suuf. Ñun 312 personnes ñoo joxe seen suuf pour construire projet bi. Mais du borom suuf yëpp ñoo d'accord ci projet bi? Waaw, borom suuf am na ñoo xam ne rek dañoo bañ. Bañ boobu nag dañoo nangu nañ seen opinion parce que boo leen wàññee ñoom 18 personnes lañ ñoo bañ suuf si ñu ne nangu nañ seen opinion loolu nag xëy na du suñu domaine. Ñun li ñu bëgg mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ëpp bëgg dëkk bi développé suñu doom yi avancé am liggéey mën a toog fii liggéey ñoo joxe suuf si nangu projet bi. Te may wax lenn di lancé appel aux autorités suñu projet bii dañ si gis njëriñ. Morlan amul groupement boo xam amul association bu fi nekk wala entreprise buy réunir 30 personnes. Ta qualité fruit mi ngi réunir presque 65 personnes te dafa départ kese pour faire test. Projet boo xam dafa la dig ay 2000 emplois ñun dañ ko tëkkale ak leneen. Ñoo ci dugal suñu bopp te ñuy wax autorité ne suñu projet nañ ko protégé. Dañ protégé suñu projet moom la ñuy yaakaar moom la ñuy gis kenn naxuñu kenn woowuñu kenn sexalu suuga dañu gis njëriñ ñu dugg ci. Ñu wax sous préfet commencé moom monsieur Baylo Ba sous préfet Pambar ba autorité étatique ba ci Macky Sall nañu protégé suñu projet. Nañu protégé suñu projet moom la ñuy yaakaar moom la ñuy xam. Ñoo ci dugal suñu bopp suñu njëriñ la ñu gis moom la ñuy def moom la ñuy def. Moi je m'appelle Joséphine Thiomban, je suis la responsable des femmes au niveau de Morlan, je dirais même au niveau de la paroisse de Morlan. Donc nous avons commencé ce projet. Comment? Nous, femmes catholiques de Morlan, nous avons pris la décision d'aller voir parce que nous avons entendu dire que au niveau de Dias, il y a un projet. Nous avons quitté de Morlan. À ce moment-là, moi j'étais active, je travaillais à l'école. J'ai pris la décision sur moi de demander la permission et d'aller avec mes femmes, le bureau des femmes et le curé de la paroisse pour aller visiter ce projet. Nous sommes allés, nous avons visité le projet. Et lorsque nous avons visité le projet, nous avons dit que, et pourquoi pas au Morlan? Parce que ça, c'est possible. Nous avons un sol riche. Nous sommes venus. Deux jours après, les gens de Qualité Fruits, non, de Dias, sont venus et ils ont demandé après moi. Je suis allée à la paroisse, ensemble, nous leur avons dit il faut aller au niveau de la mairie parce que nous n'avons pas le droit d'indiquer à qui que ce soit une terre. Mais il y a la police à la retraite et qui a beaucoup œuvré pour le Morlan. Il a beaucoup œuvré pour le Morlan. Et de là maintenant, comme il l'a si bien dit, les réunions ont été faites au niveau de chaque village. Chaque village concerné par le projet. Beaucoup de gens sont d'accord. Donc, si on vous dit qu'il y a seulement 18 personnes qui ne sont pas d'accord, effectivement, c'est vrai. Et sur ces 18 personnes, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont puis le terre d'autrui, donc comme en sous forme de bail, depuis très longtemps. Cette terre qui aujourd'hui doit être exploitée a été laissée en rade pendant des années et des années, je peux dire même 40 ans. Moi, Joséphine Thiomban, je peux dire 40 ans. Moi, j'ai une parcelle là-bas. Et je peux vous jurer que la parcelle que je détiens là-bas, ça fait presque 40 ans qu'on ne l'a pas cultivée. Un autre peut vous le dire, un autre encore peut vous le dire. Donc, si nous avons fait cela, pourquoi? Nous avons vu que nos braves femmes quittent le Morlan à 4h du matin pour aller travailler à Dias. Ou bien à Semi-Cotard. Et à 4h du matin pour préparer le repas. Le repas de midi avant d'aller au travail. Donc, si aujourd'hui on dit que nous voulons un Sénégal émergent et que nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas laisser les gens travailler, alors qu'est-ce que nous voulons? Que voulons-nous? C'est une question que je pose à la presse. Que voulons-nous exactement? Nous ne voulons pas donc le développement du Sénégal, nous ne voulons pas le développement de Morlan. Donc, la meilleure solution, c'est de laisser les gens travailler. Et nous sommes convaincus que ce projet-là va voir le jour, parce qu'il a déjà vu le jour et va continuer.
nous allons persévérer dans le travail que nous faisons. Moi, je suis à la retraite, mais puisque j'ai amené mes femmes au projet, je vais avec elles au projet. Je ne vais pas faire de minutes. Je vais travailler avec ces femmes-là au projet. Voilà pourquoi nous avons voulu tenir ce point de presse pour informer la population, pour informer le Sénégal et pour démentir le camp des noms. Voilà pourquoi.